Tac. Putain, c'est ouf. Hein. Hop, voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Ah, peut-être me faire un petit café quand même avant. Boire un peu d'eau. Ah, par contre, t'as vu cette nuit quand ça... il va faire chaud là. Hein. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, les amis. Nous sommes de retour pour Pourquoi t'as fait ça? jouer à On ne peut pas God nous of enfermer dans War. ça. On est en compagnie de Turc. Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Mais elle nous a beaucoup aidés. Elle a menti. Certaines personnes tiennent. Bon, Rocket League, c'était pas fameux. Hein. C'était bien, mais. Quand j'aurai bon. Besoin de ton avis, voilà. C'était pas je non te plus. Comme tu voudras. Voilà. Emmène-moi donc vers 6h, je pars. J'allumerai le PC vers 6h. Pour me préparer pour le tournoi et. Voilà. Rien moins que le. Attends, on est mercredi. Et puis vendredi, moi j'ai un mandi. Nous indiquer la route. Le serpent monde. Attends, tu sais comment lui parler? Eh ouais, serpent mais monde. Oui. Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ses montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard, à part moi, bien sûr. C'est vrai? Oui. Le chronal parle. Ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungand recultive l'art de la conversation. Oh, le gamin, moi, il fait marrer. Hein. Hein? Le fils de Kratos, ouais. Il a de ses répliques. Hein? Et encore, c'est que le début. Parce que là, il y a le. Alors, attends, c'est. Aller à la corne de serpent. Ok. Le gamin qui prend la tête de. Allez, encore un trophée. Hop. Non. Parle-nous de Baldur. Encore un trophée. Tant que rien ne peut le blesser. Ça. Ouais. Baldur est invulnérable à toutes les menaces. Qu'elle soit physique ou magique. Les fanfaronnades d'un dieu, tout le monde. Ça, je me fais gaffe. Sauf lui. Je regarde qu'est-ce qu'il y a comme trophée. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Oh putain. Tu viens de le dire, Mir. Super, attends, j'arrive. Oui. Quelle est la source de son pouvoir? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait. Un sortilège. Mir. Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il n'est pas cassé. Ça recommence. Aïe, aïe, aïe. Un de ces quatre, je vais leur dire, mais fermez vos yeux. Un truc de fou, moi. Putain. Je me suis dit, ouais, super, c'est un truc pour le boulot. Je vois 0-2, je suis bah, c'est pour le boulot. Eh, mais... je viens de recevoir un mail là. Ouais. De. Mon père va déménager. Il déménage, ah, il s'en va part, ah ouais il s'en va. Ah, comme il avait dit va... Non, non, il s'en va dans un autre bâtiment qui a été créé il y a pas si longtemps que ça. Ouais. En construction. Hein. Impressionnante. Hmm. Je ne sais pas. Et tu vois, on allait commencer à faire les papiers pour que je récupère l'appartement qui est là. Là où je suis. Ouais. Parce que je me suis dit, on doit prendre le logement ici, toi, ça. Bah, tu bouges pas, quoi, tu fais pas le déménagement aussi, toi. Voilà, c'est plus rapide. Parce que, et puis, je voyais que la demande de logement bougeait pas. Ouais. Presque l'habitat qui vient de m'envoyer un mail pour me dire, il vient de me proposer un logement. Tu m'as jamais c'est dit sérieux. Que ouais. Le visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle. Et... c'est bien précis de l'ébitant, en vrai. Hein. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Alors, je sais pas ce que je fais. Avant après, je vais aller le visiter. Je vais pas dire que je l'ai. Mais les Vannes leur bah, mais le prix, attends, le loyer a tombé. Quoi. Le loyer, attends, je vais te dire ça. Et pour tu sais fait où il me propose nous, honnêtement, ouais, je écoute. La guerre n'était plus il me propose au Mopa. Un gâchis insensé ah de précieuses vies. Bon, super! Tu n'es pas d'accord, mon frère. Vous voyez, 221 euros. Effectivement, 221 euros pour combien de. Le plus brillant d'Odin se résolut enfin mètre carré? Une voie plus j'ai que deux il pièces. De négocier un traité de paix entre les non, c'est un studio, quoi. Il dut se montrer très convaincant, car Odin finit par accepter d'épouser son ennemi juré. Une déesse vanne, légendaire tant pour sa beauté fertile
que pour sa maîtrise de la magie vanne qu'Odin convoitait depuis si. Je sais pas. Bah, ça va voir. Hein. Bah, tu, voir tu, te déplaces, tu te déplaces et tu regardes. Ouais. Ah. Je comprends coché, hein. Parfaitement. Je vais aller le visiter puis on verra. Hmm. Ok, alors, petit. Ça. Plus 47€. Plus 47,15€ de charge d'eau. Combien? 47€. D'eau? Ouais. C'est par an ou par mois? Hein? C'est par an ou par mois? Bah, en charge. C'est par mois. Oh. Bouah! Ah ouais! Ah ouais! 40... Quoi? Moi je paye que 9€ par mois. Comment parle-t-on au cerveau? Après moi je fais Veolia mais ouais. Sur la plateforme, au milieu du pont. Charlaton là-bas. Enfin, la corde. Ah, c'est ça qu'ils m'ont donné du coup. On libère. Bah alors, c'est ici. Bah alors. Bah. Ça a bugué. J'entends rien, il y a ça a bugué ou quoi? Le jeu il y a trop de son. Attends. Attends, j'ai un problème, je, ça a bugué et je peux rien faire. Audio. Effet. On va le baisser parce que... Je suis là où il y a le dragon. Ah, le, pas, ah, le dragon électrique. Bah, de... Ouais, d'eau, là, machin, là. Mmh, est-ce que c'est juste... le... Ah, tu commences le jeu le... ou... Bah j'étais au là j'étais à la maison tortue. Maison tortue. Ah ouais donc tu commences le jeu d'accord ok. Donc tu débutes ok. Eh bah c'est le serpent du monde celui-là. Il s'appelle. Elle est où sa tête là ce con là? Je peux pas choper sa tête là. Là il y a ça là. Son corps il est là. Mais j'ai rien là. Je fais comment pour le trouver ton bordel? House. Comme ça peut-être. Faire quoi bordel? Putain, je suis perdu. C'est chouette hein. Un beau jeu hein. Moi il y a un prochain jeu là qui arrive. God of War je sais plus quoi. Ouais. God of War Ragnarok. Bah c'est la ouais. Suite ou ce qu'on est en train de jouer là. J'espère parce qu'un jour ils vont le mettre gratuit aussi. Oh non. Pas tout de suite, hein, mais... Ah non, c'est 100%, oui. Oui, je pense. Parce que, franchement, il est... Graphiquement, il est beau. Ah, graphiquement, ouais, c'est une tuerie. Hein. Ah. Oh, je viens de débloquer un nouveau truc. Oh, putain. Oh. Non, c'est son frère. De quoi? Non parce que il parle de Brock mais c'est Brock c'est son frère je pense. Ah Brock c'est le frère de Thor. C'est quoi ce délire? Attends parce que du coup je viens de... Il y a des trucs là. Du coup, ça, faut que je fasse ça. Et ça, c'est quoi? Waouh. C'est l'ulti, ça, non? Ah ouais, c'est coup de poing. Oh, direct. Explosion en contre. Je viens de débloquer explosion en contre. Allez hop, ça dégage. C'est-à-dire quand quelqu'un veut m'attaque, j'ai un contre. Je contre ce qu'il vient de me faire. Donc du coup, je revois ce qu'il m'a envoyé comme boule de feu. Je le renvoie dans sa gueule, mais encore plus fort. Bon, let's go.
Allez. Par contre, il y a des nouveaux trucs qui sont dans le jeu, hein, qu'on... Bah, vu que c'est un remasterisé, du coup, il y a de nouveaux trucs. Et c'est cool. T'as jamais vu. En même temps, je me fais mon café. Non, parce que je sais que ce soir, vu que j'ai streamé, bah, je pense que je vais faire une petite nocturne, je sais pas encore, je vais voir. Mais vu que je stream maintenant les compètes, bah, hier il y a eu 50, 75 personnes en 2 heures, je suis bon, vas-y, non. Voilà, j'essaie d'améliorer ma hache. Alors moi je suis bloqué. Je sais pas quoi faire. Je m'en rappelle Vas-y, plus. on va. Je peux pas augmenter la hache? Non. Non, Oui. mais c'est plus tard, tu auras des gemmes. Ouais, j'ai réussi à l'améliorer une seule fois, mais là. Ok, alors qu'est-ce que je pourrais améliorer? Salut, Protection de Patoum. torse, protection avant-bras, protection de taille, armure, combo de Salut, hache, Patou, comment tu vas? talisman. La forme? Ouais, je suis sur God of War, le PC, je le laisse vu que là je suis kiffé. J'aurai un peu plus tard ce soir, vers 6 h, et voilà. Là, Rocket League, j'attends la mise à jour, donc bah la mise à jour. À 4 h, voire 4 h, voire 5 h je pense. Donc je vous montrerai, on jouera sur la nouvelle saison. Et Fishing sera ce soir vers 6 h je pense. Pour s'entraîner pour le tournoi à 8 h. Tournoi pourri hier, hein, de... Ah, Fishing est en maintenance? Ah ouais? Ah. Fishing est en maintenance? Ah ouais? Par contre, j'espère que c'est par rapport au bug d'hier. Hein. Parce que hier, j'ai eu un... Parce que par contre, je savais pas, il y avait un administrateur de Fishing. C'est vu que j'ai envoyé un truc. C'est j'ai eu un bug. Ils sont venus sur mon live, ils ont constaté que, tu sais, j'étais en bateau. J'allais à 30% du bateau. Je faisais tout le lac. Il y avait zéro sur le radar, il y avait zéro poisson. En 1 h 30 du tournoi d'hier, de 8 h jusqu'à 9 h 30, j'avais pas de poisson. Et pourtant, j'étais dans le bon pic. Hein. Ah oui. Et du coup, bah voilà. Donc, du coup, bah oui. Donc, du coup, ouais, bah ça serait cool. Alors, attends, parce que si c'est en maintenance, peut-être qu'ils mettent aussi la nouvelle mise à jour, tu sais, la Mongolie. Du coup, la nouvelle map. Ouais, mais bon, après, c'est pas grave, tu sais, hein. Parce que même en faisant 24 kilos, j'étais 136e sur plus de 900 joueurs. Donc en vrai, ça va. Hein. Donc ça va. Hein. Alors si c'est en maintenance, ceux qui devaient faire le tournoi, du coup, ça a peut-être annulé le tournoi. Alors pas trop chaud, pas tout sinon. Hein? Il est quand même 4 heures, pas trop chaud. Moi je suis un peu bloqué là, j'avoue. Alors, il me met 19 minutes. 19 minutes. De quoi? De quoi 19 minutes? La maintenance? Ah, Et si je viens de faire une sieste de 19 minutes maintenance? Ah, d'accord. À 19 minutes? Waouh, c'est ouf! Ah, oui, quand même. Attends, parce que du coup, je fais quoi, moi? Bon, il doit avoir un système, à mon avis. Ah, bah, disons, faut que je me barre pour revenir. Mais elle est pas avec moi, c'est bon. Bien, et maintenant approche ma bouche de la corne. Approche la bouche de la corne. Allez, on va prendre sa tête de mort. Comment il peut avoir du souffle sans tête, sans poumon?
Bah là c'est le moment que je préfère. Oh là là. Par contre il est sec hein. Il est beau hein. Serpent du monde, il est trop beau. Pourquoi il fait ça? Odin a fait construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur. Il devait en avoir marre de le contempler. Mais... c'est pas douloureux? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est... Eh, y a pas de timer pour savoir combien de temps ça dure, hein, maintenant? Bonne chance. Il n'a pas perdu la main. Il se souvient de moi. La yu... Oh non, c'est pas ça. Makuna untunko. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut deux choses pour pénétrer sur la terre des géants. Regardez l'œil de ouf. D'abord, nous devons apprendre la lune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Si, encore 13 minutes. Ensuite, cette rune. Attends, mais elle a commencé à culeur? Celle sur le pic où on t'a rencontré. Ah ouais, c'est la maintenance, donc du coup, il risque d'avoir une mise à jour alors. Ah ouais, bon, il y en a qui vont gueuler. Eh gros, il y en a qui vont gueuler. Hein. C'est là le tournoi, il est fini. Hein. Peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça. Alors, je sais pas ce que je dois faire. Amis avec Oda. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je... Oh, il est magnifique. L'œil du serpent des mondes là, en pré-près comme ça. Putain, il est beau. Salaud. Hey, regardez. Oui, je sais pas ce que je suis en train de faire. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Oui. Je vois même là, de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où un se trouve du monde. Trouvez-moi un bateau et je vous y amènerai. Truc du monde, serpent, là, je sais pas quoi. Il t'a parlé le serpent? Ouais. T'as jeté dans l'eau et machin, et maintenant faut que tu te promènes. Tu te promènes. Faut qu'on te promène en bateau. Et vu que l'eau elle a monté, du coup derrière toi faut que tu fasses maintenant le... Bah faut que t'as ce qu'ils te disent en fait. Demande là, voilà, faut que tu restes sur la rive, tu sais, sur le... Pour mage, on verra. On verra pour mage. Ouais, c'est ça. Après s'ils font une mage pour mettre mon goli, ok. Mais qu'ils leur font pas une mage, tu sais, pour détruire le jeu, quoi. Ah par contre, si c'est ça, moi j'arrête de jouer direct. Bah là, moi ils m'ont dit d'aller ici. Là j'y suis, là. Avec une grande porte. Une grande porte, une grande porte, une grande porte. Ouais, sur le ponton doré. Ouais. Je ne pense pas qu'on devrait... Après j'ai tué les ennemis qui étaient à l'extérieur, à l'intérieur. Ouais, bah tu vas. Bah ça y est, et après je fais quoi? Bah normalement t'as une, sur la boussole, en haut, tu as le... t'as un losange, normalement, qui t'indique où tu dois aller. Et... ah oui, mais ils me disent d'aller dans une fumée, mais... La fumée noire? Mais... la fumée elle me tue. Espèce de poison, toi. Ah, hein, ouais. On peut on peut tuer les mouettes. On peut tuer enfin les mouettes. Quand on aura atteint, let's go. On pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Bon, on est reparti. Hein. À toi de décider. Ah, mais c'est pas logique ça, attends. Pardon. Oh,
Je comprends pas là. Où se trouve le burin? Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite passe entre elles. Ah ouais, les rameurs à la con. Oh fuck. Là, il y a un truc là. Mimir, tu t'es arrêté au milieu de l'histoire l'autre fois. Pourquoi Freya a accepté d'épouser Odin? En gros, tu... là, t'es... on est d'accord que t'es sur le ponton du. Allez, ça y est, j'ai pas de cul. C'est la boussole, t'as vu, ça suit la boussole en fait. Mieux que cela. Et après, c'est un monde ouvert, donc du coup, tu peux voir ce que tu veux, tu t'en fous. Donc là, on a une sorte de porte cachée ici, je pense. Ah oui, on a des endroits cachés aussi dans le jeu. Faut qu'on trouve tout seul. Après, t'as des énigmes, des trucs, c'est. Hein, ce que je veux dire. Ah ouais. C'est de la merde. Gundvig. Tu as été arraché à ce royaume trop tôt. Pourquoi il y a une plaque là? Je n'ai pas compris. Vous qui marchez parmi les vivants, ma bien-aimée Gulvig m'appelle. Elle aspire au repos. Bah, va chercher ta femme. Mais sa dépouille est incomplète. Je vous en prie, reconstituez-la. Tu veux qu'on récupère ses os? C'est une dégoûtant. Découverte. La magie Seisre de Gulvig n'a pas de limite. Elle peut vous réunir avec ceux que vous avez perdus. Vraiment? C'est-à-dire que là, Pato est en train de me dire qu'il faut que j'allume le PC pour la possible future mage de. Sa magie est assez puissante pour créer un pont entre la vie et la mort. Bon, sinon, c'est possible. Parce que s'il y a une maintenance sur le jeu, c'est qu'il y a eu des bugs de fou et. Bah, de toute façon, je pense que c'est par rapport au tournoi d'hier. 100%. Parce que 1h30 pour choper un 4 poissons. Hein. Parce qu'ils disent, ils ont rien dit quand t'as joué au jeu. Ok. Moi ça me fait marrer. Vague de chaleur. Eh hey, les gars, on est en été quoi. Alors quand il fait trop froid, oh, il fait trop froid. Quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. À un moment ou à un autre, faut arrêter les conneries, merde. Sois prêt. Ah, bonjour. Écoute, tu m'as énervé. Ah ouais, bien. J'aime bien. Waouh, puissant de ouf. Je vous en prie, ma tendre Gulvig. Ce royaume souffre sans son esprit. Père, on devrait peut-être rechercher ses os. Pourquoi? Tu l'as pas entendu? On pourrait parler à mère. Si on regarde bien. Regarde tant que tu veux. Du loot. Je ne me laisserai pas distraire. Du loot. Y'a du loot! Miam, du loot! Bah ouais, mais sa femme, on sait pas où qu'elle est en fait. Y'a la. Oh, vas-y, on va aller chercher quand même, pas salaud. Faut qu'on trouve la moitié de. Bah, faut qu'on trouve l'autre moitié de... du corps de sa femme. Hein? Ouais. Ouais, bah, on va regalérer, hein. Allez, c'est parti, on va galérer. Ce burin qu'on cherche, qu'est-ce que c'est? Je suis content que tu me demandes. Laissez-moi vous conter une histoire. Autrefois, un géant du nom de Tamur. C'était un géant immense. Bon, c'est super bien fait, c'est les bateaux. Le bateau, il est trop beau, j'aime beaucoup. Le meilleur tailleur de pierre que le monde ait jamais connu. Même Offenheim, hein. Le fier Tamur, pas mal, hein. Espérait toujours transmettre. Même la forêt de la déesse, parce que du coup, c'est pas la sorcière. Et le jeune Rimtur rêvait de devenir un guerrier. Le père
avait peut-être trop de peur en lui. C'est vrai qu'il y a des jeux, franchement, hein. God of War, hein. Ça fait très longtemps que ça existe. Hein. Ça a vraiment bien changé. Hein. Bah, ça a bien changé du bon côté, quoi. Mais c'est trop bien. Hein. Bon, le mec qui connaît pas God of War, il est un peu perdu. Hein. Oh, il fait froid! Il se retrouva vite seul et perdu dans une garde. Malheureusement, Midgard. Il rencontra la seule personne qu'il valait mieux ne pas croiser seul la nuit, si loin de chez soi. Thor. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu vas voir. On est d'accord que le fils de Kratos, vu que c'est le fils de Kratos, on est d'accord que c'est... Donc il était marié, c'est son enfant. Oui. Non, il n'est pas adopté. Non, c'est son enfant. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est un demi-dieu. Ou c'est un dieu, du coup. De l'avoir fait exprès, mais la vérité, il est pauvre. Ah oui, ça, oui. Hein. Et pourquoi ils n'ont pas mis le... Oh putain, je comprends pas le délire, en fait. Bon, déjà, on a ce truc-là, déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux. Concentre-toi. J'essaie de voir ce coffre. Ah ouais, trop bizarre. Wouah, trop puissant là. L'attaque combo. Cherche un burin. Bon bah voilà. Un truc à vous. Wouah, let's go. Oh, du loot. Ouais, les gens ils vont se ramener. Bouli, salut Bilout. Comment tu vas? Alors je sais, il y a une mise à jour de. Bah, il y a une maintenance de. Alors, par contre, là c'est le truc, c'est ça le problème, c'est que bah là, bah, vu qu'il fait chaud, je jouerai à Fishing plus tard. Ça va, ouais, ça va. Bah là, petite session God of War depuis ce matin là. On a joué à Fortnite comme par hasard, mise à jour, donc what the fuck. Et et voilà. Zut, on dirait que ça a rien fait du tout. Ben. Ah, attends, ça a pété le. Mon frère, on dirait que ce cristal a retrouvé sa force. On pétait ça du coup. Je pense que c'est bon, non? Oh, c'est une carte à feu. Oh, bien joué, petit. Merci. C'est son idée. Attends, il y en a un autre de l'autre côté. Alors. Ça va, là je suis sur Arc. Salut Patou. Ouais, là, par contre, bah après, ouais, il y a Arc gratuit sur. Sur Steam, ouais, hein, dis-donc. Il y a Arc Evolved qui est gratuit sur Steam. Ouais. Puisque, bah, tu sais, il y a le nouveau qui sort et du coup, voilà. Il veut pas s'ouvrir le coffre. Bah si t'as un truc de merde c'est devant là et tout le bordel, ouais tu pourras pas. Oh. Non mais là j'ai trouvé les trois trucs mais. Quoi ça? J'aime pas ça. Qu'est-il arrivé au survivant? Ah. Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Ah, c'est... Par contre, ça, faut absolument que je le fasse. Hein. Est-ce qu'il va me dire ce que c'est ça? Elle est fermée par un sceau magique. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Hein. C'est le con, bah. Désolé. Ah, le gamin! Sérieux, hein? Oh.
Atreus, suis-moi. Désolé, je pensais à autre chose. Ah, attends, j'ai le... Ah, merde. Oh, j'espère que ça va être une bonne mage, hein. Sur Fishing, j'espère qu'ils vont corriger le truc d'hier soir, parce que ça m'a saoulé, hein. Mais vraiment, hein. 30 secondes. Ah, nice. Je l'ai téléchargé. Mage. Donc, il y avait une mage. Il y avait une mage de Fishing. Oh, là, là. Aïe, aïe, donc c'est-à-dire que là, il va falloir que je le PC. Une mage de combien de gigas? Bon, il y en a, ils doivent gueuler, hein. Parce que s'ils ont pas fait le tournoi, ils se sont dit, bah tiens, je vais revenir, hop, je vais faire ça, bah tu parles. C'est le cœur de la meuf, ça, non? Pas du tout. Donc là, c'était l'encontre comme ça. Là-haut. T'as vu? Ouais, bah deux secondes. Il est con, lui. Il fait marrer, le gamin. Là-haut. Bah ouais, bah attends deux secondes, non? Il y a des loot à faire, non? Petit con, bah. Allez, grimpe. On a pas tout, combien de gigas du coup la mise à jour de Fishing? Le voilà. Attends, on doit l'avoir du coup. Oh, attends. Ah bah si, généralement tout ce qui se passe sur PC, on l'a sur... Ah non. Non. Burin, il nous faut sa magie. Bon, ça va, 1,5 gigas, ça va. Il va falloir que j'aime mon PC. Les ennemis. Est-ce qu'on attaque? Derrière toi, frère. Oh, trop fort le mec. Mais non. Let's go! Ah, il y a des trucs de symboles là. Bon, bah voilà. La force de ton père est inerte prochain. 18 minutes! Oui, pour le fibre MDR. 16 minutes de téléchargement pour toi, Patou. Ouais, je pense que ça va être. Ouais, je sais pas, on verra. Alors, on en a un par là aussi. Regarde ça. Deux secondes. Compte d'argent. On pille les gens maintenant. On est vilain, on pille les gens. De l'arbre monde, ça tombe bien. Le socle d'un cristal lumineux. Mais ouais. Où est le cristal? Toi ton cul, cristal, toi ton cul. Là. On va voir, hein. Eh, ça se trouve, les 1,5 giga, c'est de la nouvelle map. Hein. Hein, à 2 minutes pour suivre, ok. Parce que Bilou, toi aussi, t'as la. T'as, bon, ton 8 ans, hein, je pense que t'as aussi la mise à jour. T'as la fibre, Bilou, ou pas? Ou peut-être que tu sais c'est quoi la mise à jour? Oui. Mais tu sais ce que c'est du coup la mise à jour ou pas? Ah, ah d'accord.
Il a un burin dans le crâne, lui. Bon, il est pas beau. Ah, c'est Chronos, non? Comment on descend? Une voix. J'ai un plan. Non. C'est vrai? Moi, je fais chier, mon si surpris. Mon frère. Bah si, c'est ce qu'il dit depuis tout à l'heure, pas tout. C'est qu'il y a une maintenance, et là il y a une mise à jour. Voilà qui promet le spectacle. Donc du coup, est-ce que c'est le fait qu'hier ça a bugué à mort? Ah oh, oui mais attends. Ouais. Ah mais comment je fais pour le contrer? Dans ta gueule. Voilà. Attends, c'est pas fini, il y en a un autre là-bas. Cool. Crac, et là. Allez, on bute les gens. Coucou les gens, c'est moi. Regarde, bam. Oh là, tu en avais deux autres. Bah. Mais lui à chaque fois il est toujours là, ça me fait marrer. Et grosse bagarre, il est toujours là ce gamin là. C'est un truc de fou hein. Mais what the fuck. Et d'ailleurs pourquoi ça pète pas en dessous? Parce que vu comment ça pète le bordel là. Ça fond, ça envoie de la flamme de ouf, de bâtard et... Bon. Enfin bref. Je cherche pas à comprendre. Là je pense pas qu'il y a grand chose. Bon bah écoutez, c'est pas mal. Pas mal, on est pas mal. Alors. Impressionnant ce. Chopunk. Ouais. Tiens, attrape. Oh, c'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle part où se cacher ici. Ah, ça. Et c'est un petit tour que mon peuple maîtrise. Une façon de ne pas s'être vu. Tu peux devenir invisible? En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais. Est-ce que son haleine sentait l'hydromel? Tu l'as laissé toucher à ta hache. Oh.
voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence. J'ai besoin du silence complet. Attends, il touche le bois et là, là, je... Quoi ? Monsieur de soin. Ah, bon, monsieur de soin. Monsieur de soin ! On a monsieur de soin ! Alors du coup, on a d'autres nouveaux trucs, là ? Oh, légendaire ! Ah, je peux pas ! Ah putain, il faut quoi ? Brise Ardenne. Wow, level 4 légendaire. Faut que je ici. Si t'arrives. Si t'arrives. On s'approche de la montagne. Elle nous refait descendre la sorcière. Ah bah ouais, bah ça. C'est déjà ma baloucette. Tu crois que ça se passe toujours aussi bien dans des jeux comme ça? Bah, jamais, hein. Oui. Ah non, c'est pas la vie des bisounours, hein. Y a toujours quelque chose qui va pas. Hein. C'est le but aussi du jeu. Par contre, ça rigole plus là, dans le jeu. Là. Ils nous ont donné des loots, mon gars, mais on n'est pas prêt. Hein. C'est quoi ça? Voyons quoi d'autre. Bon. Ah, pourquoi on a ça? Tu l'as deviné. Connaissant, il doit pas s'agir de rester ici. Correct. Mais comment on va avancer? Et pourquoi il y a un cycle? Je comprends pas. Ah, par contre, ça fait mieux. Ah, c'est bon. Voilà. Oh, le timing de fou qu'il faut. Mon atelier est juste là. Bon, c'est que des cheveux. Oh. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, d'accord, excuse-moi. Excuse-moi, chef. Attends, il y a un petit trou, désolé. Hein. J'ai pas vu ton atelier, je suis désolé, mec. Est-ce qu'on va entrer dans ce bâtiment? Oui. Tu crois qu'on trouvera ce qui nous aidera à briser la glace et à atteindre la pointe du burin? Non. Je continue à chercher. Du coup, Batou, alors, t'en es où dans ton téléchargement, là? Concentre-toi, Atreus. Oh, bâtard. Cool. Oh vas-y, c'est bon. Merde.
Nos ennemis sont forts. Putain, je peux y crever, bordel de merde. Je suis nul à chier. Putain de bâtard, mon cul. Par contre, le guerrier, t'es chelou, lui, Lyon. Ah, hein. Non, il y a un guerrier là. Chaud patate. Hein. Ouais, bah, on a vu, c'était la Mongolie aujourd'hui. Hein. Tu connaissais cet endroit avant? Oui, j'ai été envoyé ici en mission diplomatique. J'ai tenté de. Écoute, tout quand même, hein. À négocier un accord de paix. Maudite on guerre, a vu, tant ah, là. J'ai perdu. Ce que j'ignorais, c'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. Que venaient faire les géants au milieu d'une guerre entre les dieux? Absolument rien, petit. C'est là toute la tragédie de l'histoire. Ah là, mal, ils n'ont jamais pris parti dans cette folie. Bah, mais par contre, on a eu un d'Odin truc par là, par contre, le gamin, quand il parle à son père, le père, il a un caractère. Oh. Ah bah ça... On va laisser tomber, hein. Caractère de chien. Caractère à la con, ouais. Et encore, c'est pas fini. Où je suis là, tu laisses tomber. Hein. Ok, ça marche, Fatou. Je suis comment, là? On me tire pas dessus, con. Faut que je fasse quoi, là? Oh, merde! Bah, ouais, mais attends, mais je suis comment, moi? Je peux taper là-dedans, si? Je suis comment? Mais arrête de taper, con! Bah, attends, tant pis, hein. Ah merde le con. Bah oui hein. Bah on fait comment? Comme ça je crois. Mais saute con. Putain, oh là là. Voilà. Ah, la Mongolie, ça c'est cool. Là, là. Bon bah c'est bien. On va faire ça après. Hein. Mais c'est cool la Mongolie du coup, yes. La Mongolie est arrivée les amis. La Mongolie, ah bah on va tester ça. Tout ça pour ça, sérieux. Pas de son de barre. Ah non, pas. Ah, attends. Est-ce qu'il y a un autre accès? Non, pas du tout. Voilà. Donc là-bas, on repart, non? Bon. Partir, non? Pardon. Ah bah non, c'était par là. Bon. Level 48. Bah, comme prévu, en fait, c'est d'accord. On va par là, je crois. On a pas chaud, donc on va par là, là, là. Par là. Mais écoute, on fera la Mongolie. Hein. Ah, me dis pas, c'est juste pour un coffre quand même. Ah non, me dis pas que c'est que pour un coffre. Tout ça que pour un coffre, mais non. Que pour un coffre, mais non. Oh putain. Non. Ah si, il faut aller par là. Tout ça pour un coffre, mais une DR, quoi. Par là-bas pour monter hein. Pas ouf bah ouais bah après s'il règle le problème de la compète d'hier moi je dis pas non hein. Parce qu'un hier laisse tomber hein, ça m'a saoulé hein.
Et maintenant ? Un autre cristal, t'as qu'un mot à dire. Bon, il faut le faire descendre lui. C'est là où. On recommence. Waouh, le timing de fou là. Voilà. Attends, on va se barrer, c'est peut-être que ça va tomber. On y est presque. Bon, allez, let's go. Voilà. Wow. Ah. C'est con. Eh bien, ce n'est pas un plan très discret. Maintenant, il faut libérer l'autre sangle. Vraiment ? Pourquoi on va en haut alors que ce qu'on cherche est tout en bas ? Réfléchis. Eh bien... La pointe du burin est sous d'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Et il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, ça y est, j'ai compris. Bien. Trop fort. Il est trop fort. Comment va-t-on tourner le marteau pour qu'il atterrisse près de la pointe du burin ? Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Donc ton plan comporte une bonne part de chance. N'hésite pas à en proposer un meilleur. Escaladon, escaladon. Hop là. Après, pas ouf quand tu regardes. Bah après, quand t'es level au level, oui, c'est vrai que ce sera pas ouf. Mais bon, après les petits levels seront pas mal hein. Accroche-toi. Bah accroche-toi, mais faut aller où ? Voilà. Peut-être non. Il y a un truc par là. Là. Bah là. J'adore comment il dit ça. Ce plan ne me dit rien qui va. Après les petits levels, tu sais, ils peuvent monter. Hein. Bah, je sais pas si on l'aura sur console. Bah, je pense que oui, on l'aura sur console. Déjà la Mongolie. Donc déjà, on sera pas mal. Hein. Niveau 48, la Mongolie, t'as 6, plus de 6000. Donc en vrai, c'est bon. Hein. C'est bien, on est vraiment pas mal. Hein. La défense plus 2 quand même. Hein. Oh non, le sol s'est effondré. Il y a une vasque de sable, mais comment on peut l'atteindre ? On ne peut pas. Atreus, par ici. Là, tu rentres dans le petit trou là, voilà. Et là tu vas là-bas, et tu y vas. Qu'est-ce qui est écrit ? Quand le temps lui fait faux bond, le voyageur avance à reculons. Le voyageur avance à reculons. C'est à l'envers ? Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, mais tout est dans le désordre. Ça devrait pas être hiver, printemps, été, automne. Pourquoi commencer par l'hiver ? Ça vient d'une chanson que mère me chantait. Oh, je la connais, celle-là. Hiver ! Silence, tête. Il n'aime pas la musique non plus. Compris.
Ah ouais, mais je sais même pas comment faire. Hein. C'était pas ça. Donc là, je pense que c'est l'hiver, donc c'est pas la peine. Là, est-ce que je l'ai ce symbole là? Non, je l'ai pas. Donc, vas-y, gamin. Atreus. Val, Haust, Vetter, Suma. Toujours rien. Atreus. Bon, arrête, c'est bon, c'est pas le même symbole là. Hiver, printemps, été, automne. Bah ouais, mais je sais pas. Bah, le problème, c'est comment c'est les symboles, c'est quoi? Putain, bah, été. Attends, c'est quoi? Et c'est ça. Val, Haust, Vetter, Sumar. À reculons, les amis. Quoi? Bien sûr. L'énigme. La réponse est inversée. Bah dans ce cas c'est quoi? C'est printemps, automne, attends, printemps, été, automne, hiver, on est d'accord? Mmh. Hein? Du coup, ouais. Faut l'inverse. Donc du coup c'est, bah hiver, automne, été, printemps, du coup. On est d'accord? Oui. D'accord, donc du coup... Attends, c'est hiver, hein. Hiver en premier. Maintenant il y en a une, deux, trois. Attends. 1, 2, 3, 4. Putain la vache, faut faire un inverse là-bas. Oh là-bas. Ouais, bah attends, savoir les symboles. Donc ça, à mon avis. Ça c'est. Hiver. Ça c'est quoi? C'est des feuilles, je crois. Moi je vois pas. Attends, c'est hiver. Attends, printemps, été, automne, hiver. Donc hiver, automne, été. Et hiver et donc là ça fait donc hiver là donc du coup c'est automne printemps automne printemps automne donc là bas donc ça c'est pas la peine parce qu'on en a déjà donc du coup moi, je pense que c'est ça hein. Donc là c'est quoi ça? C'est soleil. Été et printemps, c'est ça je l'ai déjà. Donc ça je l'ai déjà, donc faut que je trouve juste le symbole. Ouais, ça c'est bon. Mais c'est pas. Ah, problème. Problème. Attends. L'énigme. L'hiver est ton dernier. Et voilà, mon frère. Hiver, printemps, été, automne. Bah, hiver est ton dernier. Moi, il n'y a que ce symbole là, du coup. Ça. Var, Haust, Suma, Vetter. Bah, je vois que ça, parce qu'il n'y a que ce symbole là qui est là. Rien. Oh, mais merde! Non, j'ai besoin de silence. L'hiver en dernier. Bah, l'hiver en dernier. Silence! L'hiver en dernier. Mais tu lis comment? Tu lis de gauche à droite ou tu lis de gauche à de droite à gauche? L'hiver en dernier, l'hiver c'est à droite, d'accord? On est d'accord. Ils disent c'est l'inverse. Attends. Là ils disent ça, regardez. Écrit. Var, Haust, Suma, Vetter. Encore une fois, Atreus, la chanson. What? Hiver. Je fais comment pour délivrer ce putain de bateau là? À l'envers. L'hiver est ton dernier. Automne. Et d'abord automne. Je sais. D'abord automne. Oh, je sais, mon frère, je te rappelle seulement. Automne.
Été. Printemps, hiver. Et c'est ça. Bah là, si c'est pas bon, y'a un problème. Ah ouais, bah putain. Allez. Atreus. Allez. Ce mot. Fais comment pour des. Il parle de ce putain de bateau de merde là. Le rond. Non, non, là il est bloqué par un truc. Non, c'est pas rond. Bloqué par un truc. Hein. Oui. Bien joué, petit. T'as pas, il est pas bloqué le bateau. Si. J'ai un endroit où le bateau est bloqué. Prends une photo. Écris-le encore. Est-ce que moi tu prends une photo et tu me l'envoies? Poussez-le. L'énergie fait monter la plateforme. Continue. Il va s'épuiser le gamin à force ça. Là. Tête. Voilà. Comment est-ce possible? À mon avis, magie temporelle. Une chose dangereuse avec laquelle les dieux Van aimaient jouer. La capacité de figer le temps. Une des spécialités de Njord, en fait. Là, faut que tu découpes en fait là. Ils le font plus. Mais bien. Je fais que ça, ouais. Ça fonctionne pas. Je suis sûrement. La course de la lune et du soleil dans le ciel. Mais pas celle des loups qui les chassent. Je suis pas sur mon goli. Comment ça? Alors, les dieux ont estimé qu'il était préférable de laisser le temps. Et c'est pas le premier que tu dois refaire, il y en a pas. Hein. Voilà, t'as le bateau donc, voilà. Et après, tu te débloques avec. Ouais, ça y est. Le gamin, il entend des voix. Ah bah oui, mais il est bizarre. Merde. Ah, dans cette gueule. Regarde, l'énergie qui nous fait monter, elle est à moitié vide. Ta gueule, blam, bam, crac. Tu m'apprennes à faire ça. Faut que tu m'apprennes à faire ça. Oh. Oh le. Le... Bâtard. Reprends l'écriture avant que le sol s'effondre. Allez fils. Allez fils. Montre-toi tout pouvoir que t'as, gamin. Je suis sur crabe bleu. D'accord. Non mais t'inquiète pas, hein, pas tout, y'a pas de soucis. Hein. Qu'on ira tout à l'heure sur donc la nouvelle map, du coup. Pêcheur. Eh bonjour monsieur. Hop là. Non mais il est parti, d'accord. Bah reviens pas en fait. Attends, on va péter d'abord le plus gros. Voilà. Attention, flambeau. Mais quoi?
Putain, les bâtards, ils sont costauds là. De putain. Bah, il est encore plein là. Hein. Ouais, il faut sortir de là-dedans. Hein. Bon, c'est fini là. C'est quoi ce bordel? Waouh. Allez, bouffe, tu lui bouffes tes machins là. Ah. Hein? Ah, c'est le bordel. Oh la vache. J'adore ce sport à la con. Hein. Oh. Oh non. Il se passait quoi? Oh, il vient de se passer un petit truc là. What the f... Ouais bah deux secondes parce que là il y a du monde qui me font chier là. J'adore le gamin. Attends, on est presque en haut. Je te sens un petit peu le cul là, gamin là. On est bientôt au-dessus, tu parles, on est presque en haut, on est à la moitié du parcours. C'est une blague là. Oh, ça va arriver. Hein. Oh. La basque s'est renversée. On tourne. Oh non. T'as quoi? Boum! Allez, vite. Hop là, allez, vite. Oh là, let's go! Wouh! Allez! Désolé, hein, c'est un peu. Comme bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue, on est sur God of War. On est avec Dilou. Atreus. Et voilà. Pour présenter, vieil ours. Ouais, salut. 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 Donc là, on ira après sur Fishing Planet, puisqu'apparemment il y a une nouvelle map. Donc bon, on ira checker ça un peu. Bon, on y est. Comment on va faire pour la dégager? On ira voir un petit peu le monde. Et aussi, il faut qu'on s'entraîne pour aller sur Bergeres. Donc, du coup. Ouais. Cale-toi et pousse de toutes tes forces. Ah, il y a un coup de main pour forcer. Mais putain, il serait pas de temps. Alors, je pense qu'il doit être costaud quand même. Comment on descend? On saute. Vraiment? Viens. D'accord. Ne panique pas. Ne rigole pas. Moi, je paniquerai. Je te tiens. Malade, tu le sais ça? Tu vas bien. Il court. Tant mieux, on doit. Je suis dans la tête quand elle parle. Tu es malade, hein? Il court. J'aime bien, c'est les traces maintenant qu'on a dans la neige dans ce jeu là. C'est trop bien. Bah cours, con! Oh bah c'est foutu en fait. Bah, on est mort. Du burin. Laisse le faire. Cet homme a un certain talent pour la destruction. Ne l'oublie pas, Ted. J'y pense à chaque seconde. Faut où? Elle a. Ah putain. En bas? Non? C'est où? Bien, un. Oh
Ah oh, putain. Oh putain, ça pue ça. Attends, attendez, on va sauvegarder avant parce que ça par contre, ça pue du cul ça. Hop. Oui. Là par contre, attention là. Là, je me rappelle, je crois que là je vais mourir plein de fois. 100%. 100% sûr, je vais mourir plein de fois. Attends, c'est par là hein. Ce sont les hommes qui étaient avec Baldur, ses neveux. Oui, Magni et Modi, les fils de Thor. Mère disait toujours que les As étaient les pires des dieux, et que Thor était le pire des As. J'imagine que c'est aussi un mauvais père. Ce ne sont plus des enfants. Ah, un boss. Ils n'ont pas d'excuses. Sindri va s'en sortir. Ils ne le trouveront jamais. C'est pas un truc dans le coin, là. Là je crois que c'était maintenant. Ah, la grande salle de festin. La fierté de Midgard. C'est Alice au pays des merveilles, non ? J'avais le souvenir qu'il y avait un immense chandelier. Il donnait vie à ce lieu. Oh la vache. Pauvre femme congelée. Pauvre homme même. Ah tiens. Ah oui. Ah, rip. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de tout détruire. Si je me souviens bien, le trône du Jarl se trouvait juste de l'autre côté de ce mur de glace. Ah. C'est pas lui ! C'est un monstre ! Ah merde ! Ouais, stop. Voilà. Ah là, c'est mort, toi. Hop, on en aura plus. On l'a un déjà. Oh, c'était rapide quand vous mettez la rage, hein. Tac. Ok, let's go. Ça, c'est bon. Alors là, apparemment, c'est quoi le nom du coup ? Le roi de la barbe de pierre. Bon, bah, continue à trouver où qu'il est le bordel, hein. Hop. Alors, Piknidouille, c'est toi l'andouille. Oh, j'aurais dû jouer. Je suis joueur. Allez. Ah, c'est un wolf. Wouah, c'est gore. Il vient de nous déchiqueter la gueule. Et là, boum, boum. Bouge pas, toi. Craque la mâchoire, voilà. Craque la mâchoire, y'a plus de mâchoire. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Bon appétit pour ceux qui mangent. Bon, bah, dégueulez pas, s'il vous plaît. Bon, là, même ceux qui regardent la rediff et tout ça, ne vomissez pas. Ok. Donc, même sur YouTube. Hein. Mettez pause au moment où je déchique la gueule du mec. Ah, là, c'est bon, normalement, là. Prépare-toi. Encore ?
Wow, tu me jettes pas ça, toi. Je m'améliore, bah ferme ta gueule hein. Putain, vraiment ferme ta gueule toi, ça gosse. Il fait rien le game. Le gamin il fait que des trucs, vas-y, je m'améliore. Je tire à l'arc mais c'est pas mieux. C'est juste à distance hein, c'est tout. Hein. C'est qui ça? C'est le roi déchu là? Oh, bizarre. Tu vois, il va bien. J'ai préféré m'éclipser quand les fils dégénérés de Thor ont débarqué. Oh, t'es un peu heureux, toi, sale con. Et quelle heure, là? 5 heures, ouais. Bon, j'avance vite, quand même, ça va, en vrai. Elles sont au-dessus, hein. Attends, j'arrive pour te défoncer la gueule, toi sale con. Ils sont vraiment pas loin. Hein. Donc là, on va prendre ça. Hop. Alors, si je monte là-dessus, je perds ça ou pas? Non, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. Si je peux courir. Donc là, on est par là. Donc là, là. Je n'ai pas grand chose d'autre à faire en ce moment. On est pas loin. Là. Bah attends, parce que du coup là si ça pète, je peux prendre des dégâts, non? Ah non, pas du tout. Bon. Bah au moins c'est bon, comme ça maintenant on sait qu'on peut. Bah on sait. Ça fait longtemps qu'on le sait ça. Bon, du coup on a eu quoi? Ah bah nickel! Allez, ça c'est bon. On va pouvoir avoir le truc légendaire. Alors du coup. Trop lourd Kratos, trop lourd. Alors, du coup. Allez. On se rapproche, hein. Récupérer le morceau de burin. Voilà, cinématique. Dépêchons, on peut peut-être. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Voilà. Je savais! Ça, je savais! Alors, par contre, après ce putain de. Oh putain! Oh merde! Oh, j'ai pas envie! J'ai pas envie! Oh non! Le père de tout l'exige. Voici Thor, les amis. Je crois que c'est lui, hein. Tant mieux. C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Hey. Où est-ce que tu vas comme ça? Ah non! Oh non. De Blator plutôt, avec le maillet. L'avortons à un arc. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'as pas tort. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps, gros. Bado. Un vieil homme et son rejeton chétif.
Putain, allez. Waouh, gros. J'ai pas le temps. Mais comment tu fais, gros? Waouh, gros. J'ai pas le temps. Bah, je suis mort en fait. Derrière moi, Atreus. Bah, je suis dans la merde, il me reste un HP. Hein. Que veut Odin? Je sais pas. Viens là, Tata. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! Allez! Non, je suis mort! Oh, putain! Mais non, putain, je suis mort. Je savais. Là, ça va être le moment le plus chiant du jeu. Là, ça va être le combat avec Thor et je sais plus comment il s'appelle l'autre, la grosse barbe là. Ah, ça va, on reste est là. Derrière moi, Atreus. Pourquoi nous poursuivez-vous? Que veut Odin? Je sais pas, m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! Merde! Pas le con. C'est fou que tu aies tenu si long. Tes pauvres bras peuvent à peine soulever ton arme. Je t'ai dit de te taire. Oh, t'inquiète pas, si j'aurais mes lames, tu te ferais une... Tu peux te prendre un truc dans ta gueule, toi. Pas le con. Tu me donnes des lames, mon gars? On peut pas contrer son putain d'épée, merde. Putain, les coups d'âge qu'il donne lui. Mais gros, ça a abusé. Putain, le gamin qui est prêt à crever là, putain, c'est chaud. Putain, vas-y. C'est archi dur là. Allez. Ah, Toto, si tu regardes la rediff, hein. Voilà ce qui t'attend. Ton père doit avoir honte de te traîner. Ta gueule, toi, sale con. Fais le vide, concentre-toi. Balayé, gros. Oh putain, je sais, de toute façon là je crevais de ouf, hein. Je vous le dis là, désolé hein, pour les gens, hein, désolé. J'avais annoncé avant, j'allais crever beaucoup de fois.
Là, le combat avec ces connards-là, c'est archi dur. Hein. Wow. Concentre-toi. Voyons comment tu te débrouilles pour tirer à l'arc. On dirait qu'ils n'ont pas retenu la leçon. Je me sens mal. Je n'ai pas besoin. Ah, ils cassent les couilles à faire ça eux. Ta mère est élève. Essaye de faire des combos. Bah j'essaye mais c'est chaud. Touche pas à ma maman. Oh, maman. Ne l'écoute pas, petit. Il essaie de te provoquer. Ah maintenant ils sont à deux maintenant, merde. Les filles de Thor peuvent toujours essayer. Pas de con. Désolé, je sais, je suis allé trop loin. Délire-toi. Hop là! Ils font à deux maintenant, ces fils de pute. Je les vois! Les gars, je vous merde. C'est pas un, je pense. C'est la partie que je préfère. Vous vous abusez bien? Bah là, je suis dans la merde. Atreus, reste concentré! Je me suis du petit. Bah les combos, temps de les faire, mec, laisse tomber, hein. La mère ne t'a pas assez nourri. Trop moche pour qu'elle te laisse têter. Bah j'ai même pas le temps de mettre mon machin, gros. C'est bon là, merde. Y'a pas de truc pour survivre là. Ah bah je suis mort. Putain, ils sont tellement proches de crever, en plus c'est ça le chien. La mage c'est la Mongolie. Ouais je sais, Patou me l'a dit. Ouais je sais, de toute façon c'était sûr. En espérant qu'ils ont tiré les bugs machin. Ah oh, ouais putain, faut que je me retape tout le truc là. Oh la vache. Atreus, reste concentré. Allez, allez! Toi, tu peux le buter là. Ah, j'ai pas le temps, hein!
faut le buter l'autre là-bas là. Le qui est plus low c'est lui là. Un carré gros. Fais le vide, concentre-toi. Putain. Bah c'est fini, c'est bon, let's go. Allez. Putain, on aurait eu les lames de l'enfer, laisse tomber. Hein. Oh bah là. Back. Back. Voilà. Allez tiens, Magnu est mort. Comment as-tu fait? Tu n'as aucune idée de ce... Sale fils de chien! C'est ton tour! Oh, reviens, ta lâche! Je vais t'arracher la tête! Oh la vache. On a tué Magnus, disons. On l'a buté! Oh, il saigne, dis donc. Oh, nom de Dieu. Il saigne. De la fièvre. La maladie. T'es là, tu vois? La fièvre est revenue. Ah, tu vois qu'il est parti, apparemment. Oh, y'a pas que la fièvre, hein. Non. C'est faux! Oula, il est tuberculeuse. La toux, le sang. Ton fils est malade et il a besoin de Freya. Non! Doucement. Ça va aller. C'est bien, petit. T'as balé, il est blanc comme un cul. Il est blanc comme un cul, il est tout faible, ça se voit. T'es sûr de toi, gamin? T'es sûr de toi? On devrait le surveiller. Et là, c'est quoi? Flamme de glace. Légendaire. Ça, c'est l'alliance. Back. Bidabada boum bada boum boum boum. Bah alors on est mort. On m'a cassé les couilles dans, pendant une demi-heure hein. Sale con. Du coup faut aller où? Par là. Bah non mais là on a le truc donc non c'est mort. Pardon. Le burin. C'est pas trop chaud. Ça suffit. Ça devrait. Avec ça, nous pouvons graver la rune menant à Jotunheim et à votre destination. Pas avec ça qu'on peut faire. Aussi ouvrir toutes les portes fermées. Oh. Ah bah enfin. Comme celle qui se trouve dans ce coin. Tu peux passer cette porte maintenant que tu as le burin. Voilà. Boum. Et là, on va pouvoir toutes les portes du jeu. Let's go. Ah, c'était le burin. Je crois que c'était une corne spéciale. Pas qu'un peu. C'était un dieu, mais il l'a tué. Un as mineur. On a CRN. Oui. Son père est Thor. Pas mineur celui-ci. Pas du tout. Ça ne sera pas sans conséquence à Asgard. Je nous ai défendus. Bien de plus. Je ne crains aucun jugement. Un jugement, non. Mais pour ce qui est d'une vengeance. Depuis quand peut-on tuer là-haut, là. Un truc là-haut, mais on fait comment pour y aller? Voilà. Ah. Ah. On repart par là, sérieux? Quoi là? Là on a un truc mais on fait quoi là en fait? Putain je fais n'importe quoi en fait. Y'a quoi ici? Pourquoi on va là? C'est pas un truc là? Ah là. Ah, mais on peut pas aller là-haut?
deux pièces principales. C'est la cuisine, la salle, le coin chambre, les toilettes, la salle de bain et le cage du vide. C'est ce qu'on appelle deux pièces principales. Alors, il y a un balcon derrière. Je pense qu'il y a un balcon derrière. Donc avec une télécamé. Un peu con. Non mais descends pas avant, c'est bizarre. Bah oui. Ça fait tout de bizarre. Oh, mais comment repartir? Les vagabonds. Oh, répugnant. Oh, l'odeur. Sans parler du nombre de bestioles là-dessus. Non, mais, je vous réveille pas aussi, juste que je laisse parler. Je vais voir si je peux en faire quelque chose d'hygiénique. Allez, c'est dur. Vous avez trouvé quelque chose dans la réserve de Fafnir? Comme... une pierre à aiguiser? Une minute. Non, oui, entrez. Palala, palam, pam, pam. Du coup, là, on aura peut-être des bons trucs, hein. Ah, on n'en a pas encore assez. Putain, on n'a pas assez encore. Toujours pas. Oh. De toute façon, dans très peu de temps, je vais arrêter là. Donc, ça, on l'a ouvert, je crois. Celui-là on l'a fait, on est d'accord. Ouais, celui-là on l'a fait. Donc là maintenant faut qu'on ouvre les portes. Ça on l'a fait. Et du coup faut qu'on aille par là. Ah merde, elle est bonne celle-là. Quand même par là. Je n'ai pas l'impression que le petit aille bien. Ça va. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans ce cas, ne traîne pas. Oui, père. Hé, je viens de réaliser. Magni n'est pas revenu à la vie. C'est intéressant. On sait que les As trouvent eux-mêmes la voie du Valhalla. Pas de Valkyrie en escorte, pas de traitement aux portes des Limes, c'est peut-être un signe. Oh. Allez, viens, gamin, on va ouvrir des coffres. Atreus, suis-moi. J'arrive tout de suite. On a ça là, donc du coup on doit avoir une pierre. Donc déjà c'est pas là. Regardez, on est de retour à la main du géant. Quel est cet endroit? Les pêcheurs débarquaient à la prise du jour dans ce port et utilisaient cette chose pour en envoyer une partie directement aux cuisines du Jarl. Le reste était trié et vendu. Il y a une sortie sous le pouce. Trouve un moyen de passer. Il y a une ouverture. Je peux l'attendre. Il y a un chemin vers la sortie de l'autre côté. Salut Thibaut. Attendez, oui, je parle pas trop. Non, c'est un autre, Thibaut Hunter, ça s'appelle. Il y a tellement de Thibaut là-dedans. Bah, vis-à-vis, après, oui.
Ah, c'est pas du tout le même bois, hein. Il y a trop de Thibaut. Il est pas en bac, Thibaut, on est d'accord. Il fait pas bac. Non. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de Thibaut, hier, il m'a dit, il s'est passé un truc de fou hier. Il y a un mec, il est rentré chez lui, comme ça. Il y a un mec, il est rentré comme ça, c'est la fête, quoi. Super. Voilà. Tranquille. Voilà, quoi, donc du coup, bah, yes. Attends, du coup, là, faut que je fasse... Alors, le gamin, il va crever, déjà, ça, c'est sûr. Bien. Ah, du coup, ça s'est bien passé ta journée d'examen encore ou pas? Ça, je bloque ça. Je crois que ça a marché. Je crois que ça a marché. Je suis crevé. Tu as testé la nouvelle map? Pas du tout. J'étais même pas au courant. Il y a trop de mises à jour. Ça peut aller. Phishing, c'est bon. Ok, ça marche. Ah, Mongolie, level 40. 17h36, je vais peut-être aller voir le pack, moi. Je vous passe. Je peux pas rentrer dedans. Mais gros, je peux pas rentrer dedans, je me casse. Ah, c'est bon. Peut-être aller voir le nouveau pass de combat là. Dans Rocket League. Ah putain, il y a Rocket League aussi. Oh, fait chier, il y a trop de trucs là. Pourquoi ils ont fait au même moment? Putain, ils font chier eux. Putain, c'est la merde, les gars, c'est la merde. Il l'avait précisé avant. Hein. Ouais, mais pas Phishing. Phishing, c'était bon produit, toi. Ah, c'était bon produit, ça, Phishing. Phishing, faites de la merde. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis sur Phishing ou sur Rocket? Non. En vrai, ça va, j'en vends vite parce que du coup j'ai la cam pour accéder au. Nous y sommes presque. Bah, je vais vite, après je connais. Toujours un kiff de faire l'émission. Ouais. On a tué un mec. Tu as fait d'énormes progrès. Méchant. Merci. Bien. On a tué un vilain. Et maintenant. Bon, un vilain. Un vilain. Bon, ce sera la suite, mais bon, ça on verra. On verra pour le prochain God of War, mais bon. Je crois qu'on va se faire défoncer le cul, quoi. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, le programme de maintenant, ça va être... faut qu'on aille regarder, malheureusement, le DLC de... pas le DLC, mais on verra plus tard. Mais vu l'heure, et que c'était pas prévu, et que Fortnite a cassé les couilles, et qu'aussi que Rocket League, ils ont fait une nouvelle mise à jour, c'était prévu. Mais je savais pas que c'était aujourd'hui la mise à jour de Fishing Planet. Donc Fishing Planet sera tout à l'heure. Donc avant, donc je mange dans une heure en gros. Je mange plutôt pour vous en fait. Donc en gros avant, et en plus faut qu'on fasse le tournoi de ce soir. Donc du coup c'est la merde, je vous le dis là, c'est la crise. Tournoi de ce soir sur Fishing Planet mondial. Faut qu'on fasse la mise à jour, faut qu'on regarde la mise à jour de Fishing Planet. Et en plus, faut qu'on teste la map. Putain, on va jamais y arriver. Hein. Et entre deux, faut que je télécharge le Fishing Planet. Ouais, wow. C'est impossible. Mais je sais, je suis au courant. C'est la crise, hein, c'est la crise, les gens. Autrement, c'est au choix. Autrement, je fais un sondage et puis vous me dites. Comment je peux faire ça, dans la solitude. Et alors que la guerre contre les vannes faisait rage, il y a 36 trucs à tu sais, les trucs où tu lui as lancé la hache. Et après, ah bah ça Freya finit. Ah là, bah ça. Il y en a plein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il semblait vouloir. 9 quoi? Pourquoi faire les 9, 9 trucs à éclater mais en une seule fois? Ah bah si. Non. Tu fais une ligne et après ça va se tirer tout seul. Tu regardes et ça se tire tout seul. Mais le véritable visage. On va faire une circulaire. Tu peux faire que 3. Maximum c'est 3. Hélas, malgré les efforts de son sage conseiller pour le convaincre que la paix était le seul et unique moyen d'éviter le Ragnarok, Odin était toujours obsédé par Jotunheim. Ouais. Donc du coup, tu fais une ligne de 3. Mais tu te positionnes bien. Rocket League maintenant, let's go. Problème c'est s'il y a des gens qui veulent que je joue à Fishing Planet. Après Fishing Planet c'est ce soir le avant 8h. Donc au pire du pire, c'est quoi ce?
Ok, ça c'est bon. Tout. Tu sais, ça se tirait tout seul. On est là-dedans. Là, il y a une porte. Hein. En même temps, je peux tout débloquer. Oui, donc en vrai, c'est bon. Bah ouais, au pire le Rocket League et puis après Balazou quoi, après ça va être fishing et puis voilà. On va manger pendant qu'on joue en fait. Oh, c'est bon. Il n'y a pas trop le choix. Est-ce que ça vous va les gens sur le live? Bah Toto, Toto, si t'as pas envie que je te spoil, bah regarde pas la suite. Bah regarde pas le live. Voilà. Bah malheureusement arrête de regarder le live. Parce que depuis ce matin il regarde mon live donc du coup je sais pas. Bah après moi c'est mon fou, ça fait très longtemps que j'ai joué donc Arrête de regarder le live des abonnés de sa chaîne. Mais non, mais ne te suis plus, à ma chaîne, oublie-moi. Voilà. Non. Fais ce que tu veux. Ah, attends. Encore un petit truc. Ah, tiens. C'est Tyr, mais il manque le panneau central. Ouais. Une minute. Je croyais que Tyr était un dieu, pas un géant. C'est vrai, mais il était aimé de tous, même des géants. C'est le seul avec moi à qui ils aient accordé le nom de père royal. Je suis en train de me dire que c'est même pas par là que je dois aller, moi. Sur moi quelque part. Si, je sais pas. Par là. Bah, c'est là. Là, il y a un truc là, il y a une inscription là, mais. Donc ici, il y a un truc à faire ici. En fait, viens voir. Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. Ah là, il y a un truc. À mon tour pour une fois. Bon. Atreus. Putain. Allez, tu me parles déjà. Bon, moi je crois qu'on aura peut-être pas trop le choix en fait. Toto qui vient d'arriver. Bon, mes amis, on va sur Rocket League du coup. Par contre, Toto, tu viens avec nous hein, dans ce cas-là. Là, je termine ça vite fait et après, bah là. Sauvegarde. Ouais, je sauvegarde aussi. Attends, parce qu'il y a Patrice qui m'a. Désolé. Non, c'est pas ça. Qui m'attend. Tu ne sens rien. Et voilà. Tu m'apprends un truc, attends. Si, c'est j'y vrai. Suis. Ok, ça marche. Bah, tu nous rejoins en. Tu nous invites. Attends. Attends, je t'invite en vocal. Oh. Oh, bah là. Oh putain. Oh non. Non, c'est terrible. Non. Tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que. Oh merde. Je vais être la risée de tous. Mais si je te tue, voilà. Personne ne se moquera de moi. Envoyez. C'est terrible. C'est bien, l'image n'a pas changé de Rocket. J'ai une GTX 20 Presso, elle est trop bien. Tu tiens ça de ton père. Bah, spoil pas le nouveau pass, Toto, t'es con toi. Elle était bête en plus d'être laide. Bah, vilain toi. C'est une normande. C'est de manchot. Oh, c'est vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Tu vas devenir mon nouveau frère. Dès que j'en aurai un. Ah, ça va, Pleurette. C'est bon. Oh, quoi? Oups. Mais non. J'y suis allé un peu fort. Oh, des nouvelles roues. Oh putain. De combat, il est... Oh putain. Vous avez vu ce que j'ai vu? Ah bah là. Par contre ça on l'avait pas vu la dernière fois. Oh. Ah, je vais te tuer sale con. Vas-y, barre-toi. Si, si, c'est fini, casse-toi. Ça y est, j'arrête de fumer enfin. Ah, bah une bonne nouvelle, Toto. Bah, une bonne nouvelle, après tu fais ce que tu veux, mais. Tu dois l'emmener chez Freya sans plus tarder. Aïe, aïe, aïe. C'est sa chance. Dis-lui que j'ai invité dans la vocale. Toto, tu peux venir en vocale si tu veux. Ah, putain. Oh la vache. Je sais ce qui va se passer pour le Ragnarok. Oh la vache. J'avais pas vu la dernière fois parce que tu sais sur PS4 au début de God of War on a eu des bugs de graphisme et tout ça. Mmh. Et bah est-ce que je te spoil un petit peu ou pas? Là ce que je viens de faire là. Par contre tu vois Kratos quand il s'énerve il fait des. Hein? Ouais. Hein?
Et là, justement, le bah, le Thor, il s'est ramené et il a énervé, tu sais, le gamin, tu sais, merde, son prénom. Et en fin de compte, il a vu qu'il était énervé, Patrius, il a fait comme son père quand il est en mode rage. Sauf que bah, vu qu'il est trop jeune, bah, ça a pété, il y a un truc qui a pété. Voilà, donc là, faut aller vite fait chez bah, la sorcière. Donc on va s'arrêter là-dessus, les amis. Donc à mon avis, Ragnarok, ça va être... Il va être en mode gros fils de pute, le gamin, et voilà. Donc les amis, on va s'arrêter là-dessus. On bifurque sur Rocket League, la nouvelle saison, avec Toto et Turc. On se retrouve tout de suite, les amis. Et après, on ira sur Fishing Planet. Je sais qu'il y a le nouveau DLC qui est arrivé. Je sais. Je vais le faire. Mais pas tout de suite. Donc, je vous dis à tout de suite, les gens, sur The Rocket League, nouvelle saison. À tout de suite.